Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie du défi de une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des conseils pour rester motivé quand vous êtes dans un challenge, dans un projet qui vous tient à cœur. Parce que parfois, c'est très difficile. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer votre entreprise, écrire un livre, vous mettre à un sport en particulier. Voilà, c'est souvent des projets qui sont difficiles à maîtriser, à réussir. Pourquoi ? Parce que en général, au début, on va être tout feu, tout flamme, et puis après, progressivement, la motivation va baisser. Surtout qu'on va atteindre des plateaux, c'est-à-dire que on va arrêter de progresser, qu'on se rend compte que finalement, on dépense beaucoup d'énergie pour peu de résultats par rapport à d'autres qui ont plus d'expérience que nous. Et ça peut être très décourageant dans n'importe quelle activité. Alors, un conseil avec vous, très simple mais très efficace pour justement réussir à garder cette motivation et passer plus facilement ce qu'on appelle la traversée du désert. Et cette astuce, ce conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est tout simplement le fait d'avoir un ami de parcours. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir un ami de parcours? C'est tout simplement quelqu'un qui est dans le même challenge que vous et qui est à peu près au même niveau que vous, qui va démarrer à peu près en même temps que vous et qui a à peu près le même objectif. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques années, je me suis dit que voilà, ce serait bien quand même que je fasse un petit peu de sport parce que le sport c'était pas trop mon truc. Mais voilà, je savais bien que c'était bon pour la santé, que c'était bon pour les capacités intellectuelles, c'était bon pour le moral et qu'il y avait plein d'effets bénéfiques. Et je me suis dit, ça serait bien que par exemple que je fasse un petit peu de musculation. Mais voilà, je suis pas un surhomme, je suis comme tout le monde. Je savais très bien que j'allais tout feu tout flamme pendant peut-être 15 jours, un mois, peut-être 2 mois, puis qu'après ça allait retomber comme un soufflé et qu'après ça allait être difficile pour moi de me motiver à aller dans la salle de muscu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un de mes amis dont je savais que lui aussi était intéressé par la musculation et je lui ai dit, écoute, pourquoi ne pas y aller à deux? On fait un deal tous les deux. Tous les dimanches, en début d'après-midi, on va à la musculation tous les deux et quoi qu'il arrive, on fait ça. Et il a dit, top là. Et ce simple fait a tout changé. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est à deux dans un défi comme celui-là, c'est beaucoup plus difficile d'abandonner. Et alors que ça demande très très peu d'énergie et de temps pour mettre en place un défi, une coopération de ce genre. C'est-à-dire qu'on avait rendez-vous toutes les semaines, le dimanche, dans la salle de musculation. Ça veut dire que si le dimanche matin, je me sentais démotivé, si je me disais dans ma tête, oh là là, non, finalement, j'ai pas envie d'aller à la muscu aujourd'hui, j'ai plutôt aller me balader, ou regarder la télé, ou lire un livre, ou ce que vous voulez, alors que tout seul, ça aurait été très facile de me dire « ouais, je ferai ça la semaine prochaine », là, c'était beaucoup plus difficile. Parce que si j'ai décidé à ce moment-là de ne pas aller à la salle de muscu, je devais appeler mon ami et lui dire « écoute, je suis désolé, mais finalement, aujourd'hui, j'ai pas à venir parce que je le sens pas ». Alors, ce simple fait-là fait que tout de suite, ça devenait beaucoup plus compliqué pour moi d'abandonner parce que je devais appeler mon ami, je devais lui expliquer pourquoi je me dégonflais lamentablement et pourquoi je le laissais tomber lui. Et pour lui, c'était exactement la même chose. Donc, avec très peu d'efforts de chacun de notre côté, en fait, on s'est engagé mutuellement et du coup, ça nous a rendu beaucoup plus facile le fait de rester motivé à aller au sport. Et du coup, on y a été pendant plusieurs années et c'était génial. Et en plus, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer une sorte de compétition amicale, c'est-à-dire vous comparer, vous motiver, etc., tous les deux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de tout simple et qui peut faire une grosse différence dans n'importe quel projet ou activité dans laquelle vous vous lancez. Donc la prochaine fois, maintenant si vous avez un projet d'activité qui vous tient à cœur et que vous avez un petit peu de difficulté pour vous motiver ou que vous allez bientôt en démarrer une, eh bien je vous recommande, trouver un ami de parcours. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas mais que vous rencontrez justement en pratiquant cette activité et proposez-lui exactement ce que je viens de vous proposer. N'hésitez pas à lui partager les vidéos, à lui montrer la vidéo pour qu'il puisse bien comprendre le concept. Je pense que ça pourra faire une grosse différence dans votre succès. Voilà, donc pour suivre les prochaines vidéos, il faut tout simplement vous abonner en cliquant sur la petite icône qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo si vous avez aimé, cliquez sur j'aime pas si vous n'aimez pas. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.